Ceci dit, faut que c'est que je pourrais vous chanter. Je vais remettre un chope de lait. Et après, je vais mettre un chope de bière. Tu la connais, l'escargot? Non. C'est trop facile de mélanger la pâte avec une main. Ben ouais, mais en même temps, je dois le faire à une main, Angie. Par contre, ouvrir une bière à une main, ça va être plus. Ouvrir une canette, là, ça va être plus compliqué, ça. Il faudra pas. Mais je suis pas garçon de café, hein. Faudra pas que j'en foute partout. Tu la connais l'escargot? Non, je ne la connais point. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Terminé. Bon, qu'est-ce que je peux vous chanter? Dudule, c'est pas possible. Non, il y a bien Je tiens au quinquin, mais faut que je mette les paroles parce que je m'en souviens plus. Après, j'en connais d'autres. C'est du Edmond Tanière, c'est un artiste, c'est un chanteur. C'était un chanteur d'ici. Ce son-là. Voilà, je pense que j'ai une pâte bien. Après, ouais, il existe Edmond Tanière, mais bon, c'est peut-être pas hein. Du top top quoi. Vous allez rien comprendre, je pense. Comment ça commence? Je vais mettre les paroles ici. Alors, attendez les amis. Parce que je vais me faire strike si je passe la musique en même temps. Du coup, je vais vous la chanter a cappella comme ça. Vous n'allez pas connaître. Et je vous chante un petit bout. C'est l'escargot qui a pas de corne sur sa tête, mais deux coquilles à l'envers avec des brindilles qui lui tiennent chaud l'hiver. Ma tante nous l'avait appris en ch'ti quand j'étais gosse. Ah non, je la connais pas du tout. Quel est le comble pour un escargot? C'est plus Sarah où il habite. Allez, ce soir on fait soirée ch'ti et soirée blague. Alors, parole. Voilà! Là, c'est pro! Et merci beaucoup pour le follow Crypto 63. Cryptoc? Cryptoc 63. Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. N'hésite pas à nous dire ce que tu fais dans la vie, quel est ton plat préféré et d'où tu viens. Alors, la chanson s'appelle Les tomates. Est-ce que vous connaissez les tomates? De Edmond Tanière. Est-ce que quelqu'un connaît les tomates? Moi, café Marois le matin. Yo! Comment ça va, Crypto C123? Super, merci. Comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que quelqu'un connaît les tomates? Je peux vous en chanter un petit bout. Si vous comprenez, c'est bien. Si vous comprenez pas, je tente de vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. De quoi ça s'agit. Est-ce que vous êtes chaud ou pas du coup? Sony, c'est toi qui as réussi à me faire chuter. Angie, c'est toi qui avais mis le mot interdit. Est-ce que ça vous va du coup si je vous chante un petit bout des tomates? D'Edmond Tanière. Pour ceux qui voudront aller checker, vous tapez les tomates Edmond Tanière, comme une tanière. Dans YouTube et vous allez trouver. Alors excusez-moi, je suis pas chanteur, peut-être pas une magnifique voix, mais du coup, j'attends de savoir si Sony est ok aussi, si ça lui va, et je vous chante un petit bout des tomates du coup. Moi, café maroilles le matin, mais le maroilles c'est la vie. D'ailleurs, comme on a fait de la pâte à crêpes. Pas sucré, on va quand même pouvoir se faire une petite crêpe ou deux salées. On a du chèvre, on a du miel et du lard, donc je pense que je vais peut-être faire une chèvre au miel et une lard maroilles, juste histoire de se faire une petite crêpe salée.
Comment ça va, Cryptox, du coup? Comment vas-tu? Alors, bon, Sony est pas là. On va lancer la cuisson des crêpes tranquille. Et en attendant, je vais vous chanter un petit bout, mais un petit bout de la chanson Les Tomates d'Edmond Tanière. Est-ce que c'est OK pour vous? Différence entre crêpe et galette. Galette, c'est avec de la farine de sarrasin. Crêpe, c'est farine de blé. Ou alors, non, galette, c'est blé noir. Et... Oh, je sais pas. Enfin, moi, je fais des crêpes. Je connais pas la différence. Je me trompe toujours. Remontez à la sonnette. Sony, pas grave, t'inquiète. On demandait si ça t'allait que je vous chante un petit bout. Alors, Angé, OK. Donc, il n'y a plus que toi. Je chante un petit bout d'une chanson d'Edmond Tanière, qui est un artiste d'ici. Et la chanson s'appelle Les Tomates. Donc, si ça te va, je vous chante un petit bout de la chanson Les Tomates en ch'ti, puisque de toute façon, c'est du ch'ti. Je pourrais pas vous la chanter en français. Si, je pourrais vous la chanter en français, mais ça n'aurait pas le même charme, je pense.